mi bagna dootu ñu nangu ken jaaynu rew mi bagna deet rew mi bagna deedet dootu ñu fi nangu bo mu jaam rew mi bagna dootu ñu nangu ken noonu rew mi bagna deet rew mi bagna deedet dootu ñu fi nangu bo mu jaam rew mi bagna dootu ñu nangu ken jaaynu rew mi bagna deet rew mi bagna deedet dootu ñu fi nangu bo mu jaam crime. Et alors que 14 citoyens désarmés avaient déjà été assassinés par des forces de l'ordre dans le cadre d'une répression politique, dans le cadre d'une visite où il avait loué M. Sall et le Sénégal, que ce soit donc lui ou la personne qui le suivra, les personnes dont nous allons parler auront à répondre des crimes qu'ils ont commis, ordonnés, planifiés et fait exécuter. Nous avons mené ce dernier mois une longue enquête avec la participation de centaines de Sénégalais que je tiens ici à remercier, des citoyens, des fonctionnaires, des gens travaillant dans l'ensemble des administrations du pays qui nous ont apporté des éléments de preuve, des documents, des contrats, des vidéos, des témoignages qui nous ont permis d'établir l'existence de 60 crimes de meurtre considérés comme crimes contre l'humanité, de plusieurs milliers de crimes d'emprisonnement en violation des normes de droit international, de plusieurs milliers d'atteintes à la vie et de blessures, et enfin d'actes de persécution et d'autres actes inhumains. Ces crimes ont été commis, et pardonnez-moi le jargon, mais c'est important, dans le cadre d'une attaque générale et systématique contre une population civile, à savoir des Sénégalais qui cherchaient pacifiquement à défendre leurs idées, à s'opposer à la présentation de leur président à un troisième mandat contre ce qu'ils considéraient être les règles constitutionnelles, et en particulier l'article 27 de la Constitution, et qui plus généralement cherchaient à avoir une représentation politique par le truchement d'un certain nombre de candidats que le régime avait décidé d'éliminer. Parmi les victimes, il y a aussi des fonctionnaires qui ont été persécutés du fait de leurs idées. Il y a des citoyens qui n'avaient pas d'engagement politique particulier et qui ont subi des crimes de meurtre du fait de l'utilisation de balles réelles par les forces de sécurité, par des nervis, alors même qu'ils étaient sans rapport avec les faits dont la situation les a amenés à se trouver confrontés. Ces crimes, nous les avons vérifiés individuellement de façon indépendante des travaux qui avaient déjà été menés par des organisations internationales, que ce soit Amnesty International, que ce soit Human Rights Watch, que ce soit le Haut Commissariat aux Droits de l'Homme, que ce soit enfin la Croix-Rouge sénégalaise, qui ont tous constaté l'existence d'une répression particulièrement féroce qui avait vocation à utiliser la violence politique à des fins de perpétuation au sein du pouvoir, dans un contexte où la découverte de ressources gazières et pétrolières sur ce territoire a créé une avidité et une volonté de se maintenir coûte que coûte dans une position que la Constitution interdit d'accaparer. Je suis, vous le savez, parmi d'autres confrères, l'avocat d'Ousmane Sonko, mais je suis aussi, dans cette procédure, l'avocat de nombreuses parties civiles, d'individus qui ont été victimes directement de ces violences, dont certains sont français et sénégalais, ce qui va nous permettre, c'est le deuxième point, de déclencher des procédures en France également, complémentaires à celles qui ont été menées auprès de la Cour pénale internationale, de façon à ne pas dépendre des effets de pouvoir qui influencent cette institution, dont on sait ce qu'elle peut avoir en termes de rapport à la compromission, et pour s'assurer évidemment qu'il n'y aura pas d'impunité, et que les dignitaires de ce régime ne puissent plus remettre les pieds sur le continent européen sans craindre de se voir arrêtés. Nous avons reçu plus de 4500 éléments de preuve vérifiés qui ont trait aux événements depuis mars 2021.
Ces éléments, nous avons vécu avec, jour après jour, ce dernier mois, essayant de vérifier qui en était la cause, qui en était la victime, dans quel contexte c'était intervenu, et si en effet cela avait un lien avec la répression politique dirigée par le régime sénégalais. Nous en avons gardé 710 qui servent de support à cette communication de 170 pages que nous avons transmise à la Cour pénale internationale, en particulier au bureau du procureur, à qui nous demandons d'ouvrir sans délai, à partir de ces éléments, un examen préliminaire et une enquête, et de se saisir de lui-même au titre de l'article 13. Nous avons entendu, dans le cadre d'une conférence de presse où quatre membres du gouvernement ont tenté de répondre par avance à nos arguments, qu'il fallait qu'un État se saisisse de la Cour pénale internationale. C'est faux. Toute personne, au titre de l'article 15, peut transmettre des éléments à la Cour pénale internationale et au bureau du procureur pour qu'ils s'en saisissent. Mais nous prenons les mots du ministre des Forces de la Défense. Nous le prenons au mot et nous lui demandons de saisir lui-même la Cour pénale internationale. Que le Sénégal, s'il est le pays des droits de l'homme, comme il le réaffirme, si ce régime respecte, comme il le dit, le statut de Rome et les conventions internationales, qu'il aille sans crainte saisir le bureau du procureur pour laver son image et son honneur. Qu'il tente, et l'on verra alors quelle sera la réaction et si en effet des crimes contre l'humanité ont ou non été commis. Et je note que ce ministre n'a pas nié l'existence de crimes, mais a tenté simplement de justifier qu'il n'était pas assez grave pour saisir la Cour pénale internationale. Je pense que les images qui sont diffusées en ce moment derrière moi, de par leur nombre, de par ce qu'elles montrent, suffisent à comprendre à quel point cette position est absurde. Par ailleurs, un argumentaire juridique détaillé que nous laisserons en accès libre permettra de démontrer que nous atteignons sans aucune difficulté le seuil de gravité qui est requis par la Cour. Je souhaiterais vous partager quelques noms de personnes qui sont responsables des faits que vous êtes en train de voir derrière cet écran. Nous avons aujourd'hui identifié 112 suspects sur l'ensemble de la chaîne de commandement que nous avons reconstituée. Parmi ceux-ci, je voudrais commencer par un compatriote, M. Khaled Belabad, conseiller technique auprès du ministre de l'Intérieur. Le sixième, CT6. M. Belabad a été dépêché par la France auprès du ministre de l'Intérieur afin d'assurer quelque chose qui est en place depuis la décolonisation, c'est-à-dire une coopération technique qui permet à la France de suivre en direct les actions du gouvernement sénégalais, d'être informée de toute décision qui est prise au cœur du pouvoir et de l'appuyer ou au contraire de tenter de la censurer. Aujourd'hui, la France n'a rien fait pour éviter les massacres dont on parle. La France a continué à fournir des armes, la France a continué à soutenir le régime, la France aujourd'hui accueille Macky Sall sans avoir fait une déclaration condamnant les violences en question. Monsieur Belébad a suivi au quotidien les organisations les réunions qui organisaient ces violences au sein du cabinet du ministre de l'Intérieur et les a rapportées à son ministère de tutelle, le ministère de l'Intérieur français et aux autorités françaises. Il est donc complice de crimes contre l'humanité. Monsieur Jean-François Gaume, colonel, a joué le même rôle au sein de la gendarmerie sénégalaise auprès de Monsieur Moussa Fall, au commandant de la gendarmerie nationale. Il est complice de crimes contre l'humanité. Au sein de la présidence de la République, Monsieur Macky Sall a mis en place un système qui s'appuyait d'un côté sur l'utilisation de forces de l'ordre légales, dont nous parlerons, et d'un autre côté sur l'organisation de ce que l'on appelle des nervis, c'est-à-dire des forces miliciennes, paramilitaires, financées par le gouvernement et par ses fonds spéciaux pour maintenir l'ordre, selon ces termes, pour commettre des crimes contre l'humanité. Il s'est appuyé sur un premier cercle d'intimes, en particulier Mariam Faïssal, sa femme, et Amadou Sall, qui ont organisé le recrutement et le financement de ces nervis. Ils sont responsables à titre principal de la commission de crimes contre l'humanité. Au sein de cette présidence,
Meïssa Sélène Ndiaye, aide de camp, a participé à l'organisation de ces faits, aux côtés notamment d'un certain nombre d'individus, dont Abdoulaye Sall, dit Lei Kara, le chauffeur du président, qui faisait le lien avec les organisations de Nervi. Autour de la présidence, des éléments extérieurs sur lesquels nous reviendrons, dont un certain Farban Gom, Griot, ont joué un rôle extérieur qui consistait à créer des fiefs, à eux-mêmes constituer des groupes paramilitaires, à les armer, de façon à s'assurer que des crimes contre l'humanité soient commis. Afin d'armer ces nervis, la présidence de la République, elle-même, directement, en tant qu'institution, a mis en place des commandes d'armes particulièrement massives, dont nous avons retracé dans le moindre détail le cheminement. Ces commandes d'armes ont été organisées avec l'aide d'un intime de Macky Sall qui s'appelle Gabriel Perret. Gabriel Perret, à la tête d'une société qui est bien connue, a fait livrer 104 tonnes d'armes à la présidence de la République au deuxième semestre 2022. Ces armes sont en partie encore stockées à l'ancien aéroport Léopold-Sédar-Senghor et font l'objet de distributions régulières et notamment de placements dans des caches dans certains espaces du territoire sénégalais de façon utilisée en cas de crise politique. Ces 104 tonnes d'armes constituent principalement des munitions pour des armes lourdes et des armes légères, ainsi que des armes légères qui ont été livrées et qui sont à disposition de la présidence en dehors de tout contrôle démocratique, comme s'il y avait la possibilité de s'approprier ces faits-là. Le financement de ce contrat nous semble être lié à toute une série de fonds spéciaux qui échappent au contrôle politique sénégalais et des représentants de la nation sénégalaise. Ils sont permis aussi par des avances qui sont faites par Gabriel Perret, des lignes de crédit qui ont été octroyées jusqu'en 2024 à hauteur de 300 millions de dollars. Nous avons une attestation de la maison militaire de la présidence de la République, du colonel Adam Agueil, complice de crimes contre l'humanité, pour avoir, je cite, je sous-signais, colonel Adam Agueil, gouverneur militaire du palais, certifie par la présente que les matériels énumérés ci-dessous, fournis par la société ADECON LTD, seront exclusivement réservés à l'usage du palais présidentiel. Munitions 5.56 x 45 mm de 500 grammes, quantité 3 550 000. Munitions 9 mm, quantité 3 250 000. Munitions 7.62 mm, quantité 210 000. Plus de 7 millions de munitions, je cite ce document de la présidence de la République, de sa maison militaire, signé par Adam Agueil, 7 millions de munitions exclusivement réservées à l'usage du palais présidentiel, livré, document signé 11 octobre 2022. Dans quel régime politique qui se veut démocratique, une présidence de la République se fait livrer à usage exclusif 7 millions de munitions? Et quelles sont ses intentions dans la perspective de l'après? Gabriel Perret a procédé à ces livraisons qui proviennent de Saint-Pétersbourg, de la Russie. Nous avons retracé le moindre cheminement de ces munitions et de ces armes et la façon dont elles ont été livrées à Dakar. Et il y a procédé dans le cadre des très nombreux liens qu'il entretient avec la présidence du Sénégal et avec M. Macky Sall, et il est donc complice de la commission de crimes contre l'humanité. M. Gabriel Perret, qui est de nationalité belge, mais qui habite aujourd'hui en Israël, a été accompagné dans son travail par Marcel Zuckerman et par Biram Koulibaly, un aviateur sénégalais, qui a représenté la société AD dans l'opération dont il est question. Il nous apparaît que cette commande a été réceptionnée par la société sénégalaise DTL, 6 West Foire, au numéro 45 à Dakar, qui est détenue par un certain Halil, qui se trouve être un ami très proche d'Amadou Sall, qui est, à ce titre, complice de la commission de crimes contre l'humanité. Nous avons jusqu'au manifeste des conteneurs, nous avons jusqu'à la signature du capitaine qui a transporté ces armes. Nous avons tous les éléments qui permettent de prouver l'existence de cette livraison et la présence de ces armes encore aujourd'hui à l'aéroport Léopold-Senghor. Nous avons l'ensemble des réservations qui ont été faites par M. Perret au Pullman de Teranga, sa présence notamment à la veille des événements de mars 2023 au Sénégal, probablement pour les préparer,
et les conséquences qu'il aura à subir. Nous connaissons aussi le nom de ses collaborateurs, les personnes qui l'ont appuyé et les conséquences qu'ils auront à connaître du fait de cette complicité, aux côtés d'un autre homme d'affaires, évidemment, Thierno Ndomba, dont vous avez tous entendu parler, et qui a joué un rôle cardinal dans un certain nombre d'opérations particulièrement étranges, pour rester modeste dans mon expression, d'ordre militaire, de commandes d'armement qui ont été livrées là encore en dehors dans le cadre de contrats de gré à gré et qui complètent des éléments que nous avions déjà qui permettent de déterminer l'existence d'autres contrats de cet ordre-là. Cela avait déjà fait débat dans l'espace public. Vous vous souvenez de ce contrat de 45 milliards de francs CFA avec le ministère de l'Environnement et le ministère des Finances. Nous avons donc les moyens qui sont apportés aussi via la société Norinco chinoise qui a travaillé sur un certain nombre de ces contrats d'armement à la présidence. Nous avons la structure de la présidence avec, au cabinet civil, un certain nombre d'individus particulièrement responsables et qui ont été impliqués au premier chef dans l'organisation de la répression et de la légitimation des violences qui ont été commises. Nous avons évidemment les responsables que tout le monde connaît, comme Mahmoud Saleh, comme Daouda Diallo, Abdoulaye, comme le général Joseph Mamadou Diop ou Mohamed Dion. Mais nous considérons que les plus responsables au sein de cette présidence ont été évidemment le général Mbaye Cissé et Oumar Ouad, qui a été nommé le 6 avril 2023 dernier, dans un contexte particulier, ce qui, à notre avis, est le signe qu'il a eu une certaine difficulté au sein de la présidence pour maintenir son autorité du fait des événements et ce qui a amené à l'organisation d'un certain nombre de désignations. La commission de violence à des fins politiques exige une impunité. Elle exige aussi d'effacer les preuves de ces crimes. Elle exige enfin un discours qui permette de les justifier. Le ministre de l'Intérieur vous en a fait la démonstration à plusieurs moments. Nous avons découvert que cette organisation discursive, cette tentative de légitimation des faits que nous sommes en train de vous présenter, au sein de la présidence, a été mise en œuvre notamment par Yorodia, qui est le coordinateur de la communication présidentielle, mais aussi par Eladji Malik Gueye et Wandifa Ramé. Au niveau de la communication, ceux-ci ont travaillé de façon coordonnée avec le porte-parole du gouvernement et avec d'autres instances pour s'assurer qu'il y avait une légitimation des actes qui étaient commis. Au niveau de l'organisation de l'impunité, le rôle évidemment d'Ousmane Rouma, qui est notamment important comme conseiller juridique du président de la République dans l'organisation de la légitimation du troisième mandat, mais qui est aussi important, a un rôle cardinal dans la désignation des magistrats, pour s'assurer que les procureurs, que les juges n'enquêtent pas, et pour s'assurer que les enquêtes qui sont lancées n'aboutissent pas. Car il y a encore au Sénégal des magistrats et des fonctionnaires courageux qui essayent de faire la vérité, mais ce que l'on a vu et ce qui a été établi, c'est que depuis mars 2021, aucun des événements, je dis bien aucun des événements qui sont constitutifs de crimes, n'ont fait l'objet, sinon de poursuites, du moins de procédures étant arrivées à leur terme, plus de 26 mois après les faits, ce qui nous amène aujourd'hui à mettre en œuvre la présente saisine. Nous en arrivons maintenant à l'organisation de l'appareil répressif. Une fois que vous avez les moyens, une fois que vous avez organisé les conditions qui vous permettent de vous assurer que cela pourra se dérouler, il faut que cela arrive. Et nous avons évidemment, à ce titre, nos deux principaux suspects, les personnes les plus importantes dans la commission de ces crimes et encourant la plus lourde responsabilité, M. Antoine Félix Diom, ministre de l'Intérieur, et M. Moussa Fall. M. Antoine Félix Diom a joué un rôle important, d'abord comme magistrat, particulièrement bien utilisé par ce régime, afin de lui dégager la voie dans le cadre d'un certain nombre d'affaires sensibles, notamment l'affaire de Karim Ouad et celle de Khalifa Sall, et ensuite comme ministre de l'Intérieur, nommé peu de temps avant les événements de mars 2021, il a joué donc, je disais, un rôle cardinal pour assurer au régime la possibilité de se perpétuer à tout prix au sein du pouvoir. Monsieur Antoine Félix Diom a tenté en mars 2021, comme entre les mois de mars 2023 à juin 2023, de prétendre que des forces occultes étaient responsables des crimes qui étaient commis au Sénégal. Cela, en soi, est constitutif d'une participation de crime à un crime contre l'humanité, pour la raison simple
qu'il s'agit non seulement évidemment d'un mensonge, mais d'une tentative de légitimer et de masquer la commission de ces crimes. À ce seul titre, M. Diome, par ces mensonges répétés et par ces tentatives de faire disparaître des preuves ou de nier l'existence de crimes tout au long de ces périodes, est passible de poursuites. Mais M. Diome, évidemment, a eu un rôle bien plus important que celui-ci. Il a en fait été au cœur de la chaîne de commandement afin de s'assurer que les forces de police et de sécurité soient dirigées de façon à commettre ces crimes ou à les laisser commettre par d'énervis. Il a en conséquence, notamment par le truchement de son pouvoir de nomination, cherché à obtenir la possibilité que des personnalités particulièrement violentes ou particulièrement prônes à autoriser, voire à commettre directement des violences, aient un rôle et une responsabilité au sein de la chaîne hiérarchique. Nous pensons évidemment à Seydou Bokariag, mais nous pensons aussi au directeur général de la police, qui était auparavant directeur général adjoint, qui était directeur général adjoint de la police nationale au moment des événements de mars 2021, et qui pourtant, malgré l'échec patent de cet épisode, a été promu le 21 avril 2021. Pourquoi l'a-t-il été? Était-ce parce que Ousmane Sy refusait de continuer son prédécesseur sur la voie qui était proposée par le régime? Cela, ce sera aux enquêteurs de le déterminer. Il y a évidemment Amadou Amadi Lam, directeur du groupement mobile d'intervention lors des événements de mars 2021. Monsieur Ndiaga Diop, son successeur. Masserine Faye, commandant de la Fol, commandant de la brigade d'intervention polyvalente, et surtout, Bara Sangaré, commandant de la sûreté urbaine à Dakar, suspecté d'avoir commis de nombreuses tortures, d'en avoir ordonné aussi, et d'avoir de façon systématique procédé à des arrestations arbitraires pour intimider des opposants politiques et des manifestants. Ces individus, accompagnés notamment de Mudunga Kendiagne, qui était directeur de la sécurité publique lors des événements de mars et avril 2021, et qui ensuite a été promu directeur adjoint de la police nationale, Ibrahima Diop, commissaire de police divisionnaire, directeur de la sécurité publique entre avril 2021 aujourd'hui, que vous avez tous découvert lors d'une conférence de presse indécente il y a quelques semaines, ou tentant de répondre aux informations que nous avions diffusées qui nous permettaient d'établir que celui-ci cherchait à se désolidariser du régime, a été poussé par Antoine Félix Diome dans cette conférence de presse ridicule dans laquelle le régime a tenté d'attribuer l'organisation de crimes à des manifestants, alors que l'on a découvert que les nervis qui étaient montrés travaillaient directement avec les forces de l'ordre. Cette conférence de presse organisée dans la précipitation montre l'importance du travail qu'on est en train d'être mené parce qu'elle a amené le régime à commettre une erreur fondamentale, à s'exposer et du coup à être exposé par la presse internationale notamment, qui a démontré les mensonges qui avaient été énoncés. Au sein de la gendarmerie, nous avons aussi des responsables importants et vous avez tous noté l'utilisation notamment d'enfants comme bouclier humain par les forces de sécurité. Cette utilisation est intervenue à de nombreux lieux sur le territoire de façon coordonnée le même jour, ce qui signifie qu'elle est la résultante d'une politique et non d'une déficience temporaire, ponctuelle, localisée d'une force de gendarmerie. Cette déficience, ce crime, a été commis par des gendarmes à chaque fois. Et donc la responsabilité de Moussa Fall, à ce seul titre, est engagé. Il est évident, en réalité, que la responsabilité de M. Moussa Fall est beaucoup plus importante. Nommé le 17 juin 2021, à la suite des événements de mars et avril 2021, celui-ci a évidemment joué un rôle fondamental dans les désignations qui, au sein de la gendarmerie nationale, ont permis la commission des crimes dont nous parlons. Nous avons identifié au sein de son cabinet des responsables, le chef de cabinet notamment, le colonel Pape Souleymane Cissé, mais aussi, évidemment, au-delà de son cabinet, de ses aides de camp, de ses adjoints pour l'opération comme Pape Diof, le chef du centre de renseignement cardinal comme Issa Diak ou Cheikh Sarr, évidemment le haut commandant en second, Tiaka Tiao, qui était commandant de la gendarmerie mobile auparavant et qui a été promu en juillet 2021, encore une fois, dans la suite des répressions qui avaient été menées. À ses côtés, que ce soit le général Daouda Diop, le lieutenant-colonel surtout, Abdoum Bengue, ou Magat Mbaye, Aliou Ndiaye et Omar Ndoy, nous avons au sein de la gendarmerie un certain nombre de personnes identifiées, notamment dans les légions de Dakar et de Casamance, qui auront à répondre de leurs actes un jour ou l'autre, et dont je rappelle encore une fois qu'ils seront confrontés à des accusations qui sont imprescriptibles, et donc à n'importe quel moment, en cas de changement de régime,
ou à l'étranger, ils auront, dont ils auront à répondre. La chaîne hiérarchique des forces de sécurité, c'est très bien. Mais on a vu que dès le moment où la Cour pénale internationale a commencé à devenir un sujet au Sénégal, il y a eu comme un mouvement de retrait de la part de ces forces de sécurité et de défense, qui ont compris les risques auxquels elles étaient confrontées et les conséquences qu'elles pouvaient endurer. Et nous avons vu une bascule progressive de l'exercice de cette force vers ce que l'on appelle des nervis. Nous avons exposé au sein de la présidence les principales personnes responsables de l'organisation de ces réseaux paramilitaires en dehors de toute loi, qui coopèrent, contrairement à ce qui a été dit, de façon très serrée avec les forces de l'ordre. La présidence est le donneur d'ordre, mais l'organisateur principal se trouve évidemment au sein du siège du parti présidentiel, à l'APR. C'est là que se retrouvent les pick-up qui ont été achetés de différentes façons afin de distribuer les nervis à Dakar et qui, à partir de ce centre de commandement, va distribuer les instructions en région pour s'assurer que des exactions soient commises afin de terroriser la population et s'assurer que celle-ci ne se rebelle plus. Ces nervis, comme je vous le disais, ont à la fois une structuration qui est liée aux fonds spéciaux, aux fonds du parti et donc aux modes de financement illégaux qui ont cours au sein du parti en place, mais également à travers un certain nombre de féodalités qui expliquent l'ascension de personnalités à la qualité médiocre et qui pourtant ont obtenu des portefeuilles importants, notamment au sein du gouvernement. Parmi ces individus qui jouent un rôle clé au sein du pouvoir, nous trouvons évidemment, sans importance hiérarchique dans mon énonciation, des personnes comme Doudouka, le ministre des Transports, qui dispose de réseaux de nervis qui descendent jusqu'à Ziguinchor. Nous trouvons évidemment des suspicions concernant des individus importants et sur lesquels il faudra travailler, comme Pape Malick Ndour, comme Ali Nguyen Diaye, comme Mam Bai Nyang, que l'on connaît pour d'autres raisons, et évidemment, au premier chef, comme Biram Faye, ministre auprès du ministre de l'Intérieur. Biram Faye joue un rôle très important. Pourquoi? Parce que, on le sait, les nervis qui jouent un rôle au Sénégal établi depuis une quinzaine d'années, notamment au sein du parti présidentiel de la majorité précédente, avaient au départ un rôle qui consistait simplement à accompagner les politiques, à faire la claque, comme on dit, lors des événements électoraux, à s'assurer de la protection de ceux-ci et quelque part à les valoriser alors qu'ils n'avaient pas accès aux ressources gouvernementales. Progressivement, l'APR a décidé de dévoyer ce rôle et les a constitués en milices. Cette évolution a produit un certain nombre de conséquences importantes. On l'a vu notamment avec un certain nombre de nervis qui, en 2019, ont cherché à réclamer une reconnaissance dans leur action. On a vu le président des Marrons de Feu, donc le groupe de sécurité qui entourait M. Sall, réclamer son intégration à l'appareil de pouvoir gouvernemental et être payé sur les télévisions sénégalaises. Ibrahim Doye joue aujourd'hui encore un rôle cardinal dans l'organisation des nervis et dans la répression paragouvernementale des mouvements d'opposition au pouvoir en place. Biram Faye s'est vu octroyer un poste de ministre auprès de M. Diom dans l'objectif de formaliser, de légaliser une partie de ces réseaux illégaux. La création de l'agence de sécurité de proximité, des agents de sécurité de proximité, avait pour vocation de créer au sein de l'État un corps parallèle à celui des forces de sécurité et de défense, qui, certes moins formés, auraient une latitude plus grande à l'heure de commettre les exactions dont nous parlons. M. Biram Faye a évidemment continué son double jeu, à la fois comme ministre et comme organisateur de ces forces de répression illégales. Biram Faye joue donc un rôle clé au sein de cet appareil de répression que nous décrivions auprès de M. Antoine Diom. M. Antoine Diom qui est, par cette voie de fait, directement impliqué dans la commission des crimes qui sont responsabilité de ces nervis. Il apparaît par ailleurs, et c'est un point que j'ai oublié de mentionner, que M. Antoine Diom a récupéré de façon très opportune la tutelle partagée avec M. Sidi Kikab sur
Moussa Fall. Moussa Fall, en tant que haut commandant à la gendarmerie, a des attributions de sécurité publique, ce qui permet de coordonner son action avec Antonium et ce qui permet justement de s'assurer qu'il y a une centralisation de la prise de décision par rapport à ces forces parallèles entre gendarmerie, police et les Nervi eux-mêmes, de façon à s'assurer que leur action sur le territoire se passe en bonne intelligence et sans confusion. Alors, au-delà de ces notables qui ont leur propre Nervi, comme ceux que j'ai cités, qui sont pour certains au gouvernement, au-delà de Biram Faye et de ceux qui organisent ces Nervi, au-delà des personnalités qui, comme Sidiki Kaba, ont des responsabilités formelles, il y a évidemment les hommes de main, c'est-à-dire ceux qui vont faire l'intermédiation entre les forces officielles et les forces officieuses. Parmi celles-ci, quelqu'un qui a été vu pendant la crise qui vient de se dérouler très régulièrement auprès de Moussa Fall, au haut commandement à la gendarmerie, Jérôme Bandiaki. Jérôme Bandiaki qui travaille en lien direct avec la présidence, qui se coordonne avec le haut commandant à la gendarmerie et qui organise sur le terrain, avec Abdoulaye Sall notamment, le recrutement et l'action des Nervis en question. Jérôme Bandiaki, j'aimerais le prévenir que l'on a un certain nombre d'informations sur lui qui font qu'il aurait intérêt à parler, à s'expliquer, ou à surtout ne jamais sortir du territoire sénégalais tant que le régime n'aura pas changé. Monsieur Bandiaki, nous savons tout sur lui, comme un certain nombre d'autres individus qui pensaient pouvoir se couvrir, qui pensaient, du fait de leur absence de fonctions officielles, ne pas faire l'objet de répression. Nous connaissons le moindre de ses déplacements, des endroits où il s'est trouvé, où il se trouve, des fonctions qu'il exerçait, de son rôle de gardien à Leclerc, jusqu'à aujourd'hui, les lieux de ses actions, de ses habitations, de ceux de ses enfants, la voiture qu'il conduit. Et nous n'aurons aucune difficulté à l'identifier, à le faire arrêter, à le faire juger, lorsque les conditions seront présentes sur le territoire sénégalais. Jérôme Bandiaki ne travaille pas seul, et nous avons, au-delà de Youssouf Anyang que j'ai mentionné, un certain nombre d'autres suspects, d'individus qui, comme la main droite de Youssouf Anyang, Pape Ndiaye, comme Malamine Sonko, le responsable financier des Nervi de Doudouka, comme Alpha Omar Sow, le relais de Doudouka à Yamboul Nord, et territoire après petit territoire, je pourrais continuer à Mbour, à Ziguinchor, qui ont des responsabilités dans la commission des crimes. Nous avons aussi l'identité des lutteurs qui jouent un rôle cardinal dans cette répression aux côtés des Nervi. Nous avons leurs photos, nous avons leurs identités, nous avons surtout leurs responsabilités, les montants qui sont virés par téléphone, par des virements sur des applications téléphoniques, en cash ou d'autres façons. Voilà une présentation un peu générale, mais qui permettra aux personnes qui ont prétendu qu'il n'y avait pas d'inquiétude à avoir par rapport au travail que l'on avait mené, de se rendre compte de l'ampleur des informations que nous avons recueillies, de leur niveau de détail, et du fait que, dans un pays comme le Sénégal, la commission de crimes ne passe pas inaperçue. La participation à la commission de ces crimes ne passe pas inaperçue. Et je comprends bien que Macky Sall pense, avec son parrain de l'Élysée, aujourd'hui pouvoir échapper à toute poursuite, et qu'il pense, parce qu'il a reçu M. Karim Khan à Dakar, qui a commis une erreur manifeste. Le procureur de la Cour pénale internationale a commis une erreur manifeste en venant louer le régime de Macky Sall alors que 14 personnes étaient déjà mortes, parce qu'il leur a donné l'impression qu'il pourrait en toute impunité continuer, sans conséquence, pour leur devenir politique et pénale. Je comprends que Macky Sall cherche aujourd'hui à Paris à faire monter les rumeurs sur sa supposée candidature pour essayer de divertir le tir. Mais je tiens à l'assurer que nous ne sommes pas dans un agenda politique et que les éléments que nous avons recueillis vont le poursuivre jusqu'au dernier de ses jours, qu'il se représente ou non en février, qu'il soit élu ou non, qu'il parte du pouvoir demain ou jamais.
Ces éléments sont suffisamment larges, étayés, pour que l'ensemble des personnes dont nous avons parlé aujourd'hui aient à se préoccuper de leur devenir à jamais. C'est donc avec un esprit de sérieux et de responsabilité très important que nous vous les présentons, en étant très attentifs aux sources qui nous ont permis de les compiler, en ayant croisé l'ensemble des informations que nous avons reçues, mais aussi avec une assurance assez forte quant à leur véracité et l'effet qu'elles auront. Est-ce que ces éléments, en soi, suffiront à mettre fin à l'impunité? Non. Et c'est un dernier point que je voulais aborder avant de répondre à vos questions. Le devenir du Sénégal appartient aux Sénégalais. Et nous espérons fondamentalement que des poursuites se dérouleront sur le territoire pour mettre fin à cette impunité. Ce qui se passera, une fois les informations entre les mains des citoyens, dépend de ces citoyens. Elle ne dépend pas de l'action d'un procureur seul, elle ne dépend pas d'un avocat, elle ne dépend pas d'un politicien. Elle dépend de la capacité des Sénégalais à surmonter la peur, à surmonter la violence qu'ils subissent et à s'assurer que leurs droits seront respectés. Je suis prêt à répondre à vos questions aujourd'hui et à vous donner tout détail qui serait nécessaire à la compréhension des éléments qui viennent de vous être présentés. Est-ce que quelqu'un peut... Oui. Est-ce que vous arrivez à constituer un pool d'avocats, aussi bien français que sénégalais? Je vous remercie. Nous sommes 30 avocats qui travaillent actuellement sur ces questions. Nous sommes appuyés sur des personnes qui, sur le terrain, nous ont aidés à recueillir des preuves. Mais ce document est le fruit de notre élaboration propre, de mon cabinet, des personnes qui m'y ont aidé et que je remercie ici, ainsi que justement des juristes qui nous ont accompagnés sur le terrain. Par contre, en ce qui concerne la représentation des victimes par la suite, nous en représentons certaines, mais nous espérons qu'il y aura un effort collectif, en effet, qui sera mené avec mes confrères sénégalais, principalement, parce que c'est à eux qu'il revient de prendre ensuite la direction des opérations, et notamment Cheikh Khoule Chiba, que je remercie de m'avoir introduit à ce territoire, et qui joue un rôle cardinal aujourd'hui dans l'ensemble des actions qui sont menées pour essayer d'éviter que cette répression ne soit encore plus sanglante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Bonjour, merci pour ce beau travail, merci pour tout ce que vous faites pour le Sénégal. Donc nous, en tant que, on est citoyens français et en même temps sénégalais, est-ce qu'il est possible de notre part de porter plainte au niveau des juridictions françaises contre les personnes qui, sur les plateaux de télé, qui, à longueur de journée, font l'apologie des meurtres, des choses horribles au Sénégal? Comment peut-on faire, nous, ici, sur le territoire, pour porter plainte et poursuivre ces gens à jamais? Je vous remercie. C'est un élément sur lequel je ne suis pas revenu et je vous remercie de me le permettre. C'est les personnes qui incitent à la commission des crimes. C'est un élément cardinal et qu'ils ne pensent pas qu'ils seront oubliés. Je n'ai pas voulu leur donner trop d'importance, donc on n'en a pas parlé, mais on va en parler maintenant. La jurisprudence pénale internationale, à travers notamment l'affaire de la radio des 1000 collines au Rwanda, a permis d'établir que l'incitation à la commission des crimes par la dévalorisation des victimes, par la légitimation de la violence, pouvait faire encourir des responsabilités pénales qui allaient jusqu'à la perpétuité. À ce titre, je tiens à prévenir les individus qui se tiennent derrière le compte Anita Diop. Anita Diop qui, sur les réseaux sociaux, fait diffuser des éléments relatifs à des actions de police afin de dénigrer des opposants en les montrant dans des situations particulièrement violentes. Je pense qu'on a vu ces images déjà à M. Pape Touré, qui a été torturé par les forces de police et dont les photos ont été diffusées par ce truchement. Je pense à l'arrestation d'Ousmane Sonko alors qu'il était dans la caravane de la liberté. Je pense à une infinité de posts
qui appellent à l'extermination des opposants politiques et qui sont évidemment susceptibles d'être qualifiés de complicité de crimes contre l'humanité. Au-delà de cet individu, il y a évidemment au sein de l'incitation à la commission des crimes un certain nombre d'autres que l'on a exposés ces derniers temps. On pense à Ahmed Suzanne Camara. Je ne suis pas sûr qu'il faille leur donner de l'importance, mais tant qu'à faire, allons-y, et montrant que nous surveillons la moindre expression dans l'espace public qui, d'une façon ou d'une autre, puisse être considérée comme une incitation à la commission de violence. Il y a eu des députés, des hommes politiques, des personnes comme Abdoulaye Mamadou Gissé, des personnes comme Mustapha Diakaté, des personnes comme Ahmed Khalifa Niass, au sein du palais présidentiel pour ce dernier, M. Niass. Cette intervention qu'il a faite lors du supposé dialogue qui a été ouvert par M. Sall, dans laquelle il appelle à détruire un opposant politique, dans laquelle, avec véhémence, il cherche à inciter à la commission de violence, est impardonnable et déteint ce président de la République que l'on voit sur ces images approuver les propos de cet individu, de cet homme d'affaires. Il y a, pardonnez-moi l'expression, des guignols, comme Kadim Samb, mais qu'il est important de signaler. Des personnes comme Cheikh Seck, comme Matar Diop, député de la Nation, et qui ont tenu des propos particulièrement graves. Aliou Dembourousseau aussi. Et des journalistes qui ont déjà été cités. Mais aussi des jeunes. Aussi des jeunes. Des personnes qu'il ne faudrait pas leur donner de l'importance. Comme Ibrahima Gueye, responsable jeunesse de l'APR de Saint-Louis. Ces gens sont fondamentaux. Parce que, même s'ils ne sont qu'étudiants, ils ouvrent la porte à la violence de la part de leurs congénères. Ils ouvrent la porte à ce que les étudiants se sentent désinhibés à l'idée de commettre des violences. Et il faut être à leur encontre aussi très attentif. Lorsque l'on voit que sur ce territoire, des opposants politiques sont arrêtés de façon régulière, des journalistes également, pour incitation à l'insurrection, pour atteinte à la sûreté de l'État, parce qu'ils ont à un moment ou à un autre dénoncé une affaire de corruption, une violence, et que l'ensemble de ces individus bénéficient d'une impunité absolue dans leur édiction, eh bien, l'on voit, encore une fois, l'intention du régime et son absence de considération quant au crime dont il est question. Donc, je vous remercie de m'avoir parlé de cette affaire. Il est évidemment possible pour vous, au titre de la compétence universelle, de signaler ces faits à la CPI ou aux juridictions nationales. Ce que j'incite particulièrement à faire, c'est que si vous connaissez toute victime qui aurait la double nationalité, qui serait victime d'arrestations arbitraires, de violences, de quel que soit, des crimes qui sont commis de persécution et qui sont prévus par le statut de Rome, je vous incite à se rapprocher de nous, à se rapprocher des cabinets d'avocats en qui ils auront confiance, pour à leur tour participer à ces procédures. Est-ce que vous pouvez nous préciser quelles sont les vidéos et les captures d'écran que vous avez diffusées, quelles sont leurs... en vérifier l'authenticité. Donc, ces vidéos font partie des 710 éléments que nous avons retenus sur les plus de 4500 et que nous avons retenus parce que nous avons pu soit parler aux personnes qui sont les victimes directement, pour la plupart d'entre elles, soit aux auteurs de la vidéo et des témoins directs de la scène qui nous ont permis de recouper avec d'autres éléments, notamment des éléments d'identification, des certificats d'autopsie et autres, la réalité matérielle des scènes, leur date et le lieu dans lequel ils ont été présentés. Tout élément qui ne permettait pas d'identifier avec certitude la date et le lieu a été écarté par principe, par risque de falsification, par risque de confusion avec des événements précédents ou autres, ce qui explique que nous ayons retenu que ces 710 éléments, alors que très probablement sur les 4500, la quasi-totalité touchait quand même aux événements dont nous parlons, c'est-à-dire entre mars 2021 et juin 2023. Nous savons à quel point la procédure pénale est stricte et à quel point, dès lors qu'il s'agit de la vie d'un homme qui est pris dans les raies d'une justice pénale, il faut être exigeant et rigoureux dans la sélection des éléments qui seraient potentiellement incriminants pour ce dernier. Et nous avons opéré avec cette connaissance du droit pénal et de ses exigences, avec aussi mon expérience au sein de la Cour pénale internationale du bureau du procureur, puis comme docteur mes recherches universitaires, pour essayer de calibrer la sélection des preuves pour s'assurer qu'elles respectent les exigences de ces juridictions. Il y aura évidemment un travail à faire de la part de ces institutions pour recouper, vérifier, eux-mêmes enquêter. Mais ce dont nous sommes certains, c'est que la base matérielle et objectivable que nous leur fournissons est suffisante dès aujourd'hui pour ouvrir une enquête. Reste maintenant pour le procureur de la Cour pénale internationale à assumer les conséquences potentielles d'un geste qui pourrait être perçu comme inamical de la part d'un régime
qui, par ailleurs, a encore une influence importante. Mais c'est là encore où j'insiste, quoi qu'il arrive, que ce soit la CPI en France ou évidemment au Sénégal, ce que nous privilégions, la question ne se joue pas en semaines, mais évidemment en années. Ce sont des années qui vont peser sur ces individus, parce que ce sont des années lors desquelles, à tout moment, des procédures pourront être enclenchées contre eux et amenées à des conséquences pénales. Là où j'attire l'attention à la fois des juridictions internationales et nationales, c'est qu'ils soient très attentifs à la responsabilité qu'ils auraient s'ils se retenaient d'agir dans les événements qui vont suivre. Parce que nous sommes à 7 mois d'une élection présidentielle, que nous avons vu que ce pouvoir politique fait usage de la force pour imposer ses décisions, et que dans l'inaction de la part de ces juridictions, il y aurait une forme de complicité à l'égard de tout acte futur de violence qui serait organisé et commis par le régime actuel. Alors, bonjour, M. Branco. Je suis Mimodja Ledimen. Je suis activiste panafricain. Évidemment, les images que vous projetez sont désolantes et puis c'est difficile à regarder, à observer. Pensez-vous que ce soit vraiment très, très opportun du moment où les juridictions locaux sénégalais n'ont pas encore pris ces crimes en considération pour être jugés dans des tribunaux sénégalais? Et pensez-vous qu'il est normal à l'état actuel de vouloir tout simplement détropicaliser ce phénomène-là vers la CPI, tout en sachant que la CPI ne condamne de façon générale que les Africains? Au regard même de ce qui s'est passé au niveau de la Libye, comme vous êtes défenseur des droits humains, la véritable personne qui aujourd'hui aurait dû attirer la CPI, c'est M. Nicolas Sarkozy. En tant que défenseur des droits humains, pensez-vous un jour régler le sort de M. Nicolas Sarkozy? Je ne parlerai même pas de George Bush, parce que, comme vous le savez très bien, la CPI, les Américains n'ont pas ratifié les statuts de Rome. Et ma dernière question est la suivante. Avez-vous vraiment, mais quand je dis vraiment, c'est vraiment, parce que là, ce que vous êtes en train de dire, c'est quelque chose de très grave qui touche le régime de Macky Sall, que je qualifie comme étant un régime dictatorial. Avez-vous vraiment des vraies preuves qui justifient votre action? Et pensez-vous que la CPI va vraiment aller au fond de cet événement-là, tout en ayant à l'esprit ce que je viens de dire? Merci. Je vous remercie. C'est une question qui me semble très importante. Je suis particulièrement attentif au respect de la souveraineté, et en particulier de la souveraineté des peuples africains, qui a été malmenée au prétexte de lutte pour le bien ces dernières années de façon chronique. J'ai l'honneur de défendre certaines des figures panafricanistes les plus importantes qui m'ont amené justement à ce dossier, dont Kémi Séba, que je remercie de sa confiance, et qui ont joué un rôle cardinal dans ma formation intellectuelle et politique à l'égard des enjeux contemporains africains. Donc, il est évident que j'ai parfaitement conscience des enjeux que vous soulevez et de l'importance de les soulever. On est sur une situation où, si vous changez un peu votre prisme, la seule juridiction qui inquiète sérieusement les personnes dont je viens de vous parler est la Cour pénale internationale. Parce que ce sont des individus qui aiment venir dans des palaces comme celui-ci, et contrairement à eux, nous avons fait un immense effort collectivement pour pouvoir nous installer pour quelques heures ici, pour leur montrer que nous avions les capacités à tous niveaux de les défier sur leur terrain, mais nous n'avons pas nos habitudes dans ces endroits. Et nous n'avons pas l'habitude de piller les ressources des peuples pour se permettre d'arriver dans ces endroits. Cette différence fondamentale, elle est exactement similaire sur la question de la CPI. Quelle que soit notre appréciation de l'action de la CPI, en particulier depuis 20 ans, nous savons qu'aujourd'hui, c'est l'institution qui serait en mesure de les empêcher de venir faire leur course dans le 8e arrondissement, de venir se faire soigner dans l'Union européenne, de venir de façon générale passer leurs vacances ou placer leurs enfants, comme c'est le cas pour M. Moussa Fall, au Canada. Ces gens, aujourd'hui, ont une partie de leur famille à l'étranger, dans ces territoires qui sont membres de la CPI. Et c'est pour ça, c'est très important pour nous d'activer ces juridictions, parce qu'ils ont aujourd'hui le contrôle sur les juridictions nationales.
ils ont la capacité d'éteindre les procédures locales. Nous espérons qu'un jour, le plus vite sera le mieux, le Sénégal prenne en charge de lui-même ses poursuites, organise, crée un tribunal mixte qui lui permette de juger exceptionnellement ces faits-là. Aujourd'hui, et c'est là où j'en reviens à la responsabilité du peuple sénégalais, ce n'est pas possible parce que ceux qui ont commis les crimes sont ceux qui sont au pouvoir et qui se maintiennent au pouvoir. L'enclenchement de poursuites et de procédures dans ce qui se veut des états de droit comme la France, dans ce qui se veut le parangon du droit international comme l'est la Cour pénale internationale, est aussi une façon de les mettre face à leurs responsabilités et de leur demander s'ils tiennent en effet un double discours depuis leur création qui consiste à n'intervenir que lorsque les intérêts des puissances occidentales sont en jeu, ou si en effet ils se préoccupent des violences, quelles qu'elles soient, dès lors qu'elles sont commises contre un peuple qui aspirait simplement à sa souveraineté, à sa liberté. Et donc ces procédures ont cette vocation-là. Les prendre au mot, leur dire « vous avez un certain nombre de critères, nous démontrons que ces critères sont établis, nous vous en apportons les preuves formelles, démontrez-nous que nous pouvons croire en vous et que nous avons raison d'avoir confiance en vous. Si ce n'est pas le cas, à chacun d'en tirer les conclusions, cette communication sera rendue publique. Elle permettra à chacun d'entre vous de juger du niveau de sérieux des éléments que nous avons avancés. Elle vous permettra de décider à partir de là si en effet, dans votre fort intérieur, vous considérez que c'est parce que nous n'avions pas assez d'éléments que ces poursuites n'ont pas été enclenchées, ou si parce qu'il y a une forme de complicité dans la commission des crimes que nous mentionnons. Bonjour Monsieur Branco, je m'appelle Bara. Tout d'abord, je tenais à vous remercier personnellement et au nom de beaucoup d'amis. Sincèrement, mis à part le degré d'investissement sur votre travail et tout, mais à un moment donné, on a noté une implication très sérieuse. Et ce n'est pas aujourd'hui que nous l'avons noté. Et beaucoup de mes amis le partagent. Ils m'ont imposé même de vous remercier. Il y en a même un qui m'a donné un de vos bouquins qu'il souhaiterait que vous signiez pour lui. Donc, sinon, sur les questions, vous avez répondu à une de mes questions partiellement. Ce serait en fait, quel est le délai réel, effectif, de réactivité pour une action judiciaire concrète de la CPI ou d'une juridiction française, par exemple? Ensuite, si vous pouvez faire un bref énoncé sur les délais d'emprisonnement qu'encourent réellement ces 112 suspects par rapport à leur degré de responsabilité, que ce soit du Nervi jusqu'au président Macky Sall, quelles seraient les possibilités d'emprisonnement ainsi que les délais, notamment avec la CPI ou avec la juridiction française? Je vous remercie. Techniquement, la plainte ayant été déposée sur le sol français hier soir, techniquement, nous sommes dans un cas de flagrance. Les éléments de l'existence de ces crimes sont évidents. Le procureur de la République pourrait immédiatement ouvrir une information judiciaire, voire procéder à l'arrestation de Macky Sall ou de membres de sa délégation sans délai, dès lors que les immunités ne tiennent pas en ce qui concerne les crimes contre l'humanité. Monsieur Macky Sall est aujourd'hui à Paris. Ses conseillers sont à Paris. Si nous étions dans un état de droit absolu, comme nos dirigeants le prétendent, ils seraient arrêtés. La Cour pénale internationale, le bureau du procureur, a ouvert une enquête sur la Libye en 3 semaines. 3 semaines. Il a tardé 11 ans pour se prononcer sur l'Afghanistan. Est-ce que c'était lié à la différence de gravité des crimes? Est-ce que c'était lié à d'autres considérations? Je pense que chacun sait parfaitement ce qui explique cette différence d'empressement. Le bureau du procureur, le procureur actuel, parce que l'on pourrait se dire, là on parle de quelque chose d'il y a 10 ans, l'institution a changé, etc., a quasi simultanément avec la guerre, sans limite. Il y a même moi qui aujourd'hui exerce à Kiev dans le recueil des preuves. J'aimerais que M. Karim Khan, procureur de la Cour pénale internationale, citoyen britannique, nous indique s'il considère que les situations africaines
ne sont d'intérêt pour lui ou pour son bureau que lorsqu'il en est saisi par des grandes puissances, ou s'il considère que les citoyens sénégalais sont les égaux des citoyens ukrainiens et russes et qu'ils ont le droit à un traitement tout aussi diligent et à la mobilisation de moyens équivalents pour les protéger, surtout au regard des risques qu'ils encourent. Je pense que ce sera une question qui devra lui être posée. Je veux dire, à partir des éléments qui sont, pardonnez-moi, mais assez clairs, ne souffre pas de doute sur l'existence des massacres, des violences dont il est question. Donc à partir de là, il lui appartient d'agir dans les délais qui lui seront et de prendre des décisions qui sont les siennes. Nous, nous sommes, comme bien d'autres, en mesure de pousser, d'amener, de faire le travail à la place d'eux, mais nous ne sommes pas en mesure de décider. Nous sommes des avocats, nous sommes victimes, nous sommes partie civile. Ceux qui décident, ce sont les peuples, et ce sont ceux qui ont été mandatés pour les diriger ou qui les dirigent de fait. Bonjour maître, je suis Sayan Dekan, cadre à PASSEF France. Tout d'abord, je vous remercie pour toute cette compilation et toute cette consolidation de ces vidéos que vous avez montrées et qui sont preuve des atrocités que nous vivons au Sénégal. Maître, moi, la question qui me trotte tout le temps, c'est de savoir qu'est-ce qui vous a motivé à porter ce combat auprès de Ousmane Sonko, parce que si on se rappelle bien, le début de ce combat l'a porté sur le fait de pouvoir défendre le président Ousmane Sonko face à ces gens qui l'ont diabolisé. Mais je vois qu'il y a une continuité qui a été faite par rapport à ce combat que vous portez là. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette motivation-là pour porter ce combat auprès d'Ousmane Sonko et auprès du peuple sénégalais? Et l'autre chose que je voulais vous dire, maître, vous faites partie de l'espoir de tout un peuple. Le Sénégal en foi à vous. Le Sénégal a confiance en vous, parce qu'actuellement, nous sommes en train de vivre des nuits sombres. Et je pense que vous portez un combat de tout un peuple. Et nous avons espoir et foi en vous. Et espérons que tous les gens qui sont impliqués dans ces meurtres et dans ces atrocités-là seront punis. Merci. Nous avons été saisis par des victimes, des familles de victimes de meurtres, par des personnes qui ont été blessées, qui ont été torturées et qui ont probablement eu connaissance de mon existence à travers, en effet, la désignation que m'avait donnée Ousmane Sonko dans le cadre de l'affaire qui l'opposait au ministre du Tourisme. Vous vous souvenez, cette affaire a amené le régime sénégalais à m'expulser du territoire parce qu'il considérait que les propos que j'avais tenus sur M. Sall ne leur convenaient pas. Vous vous rappelez, j'avais dit que cette audience déterminerait le devenir politique de ce régime et sa nature ou non démocratique. Ce n'était pas des propos particulièrement offensants. Je pense que la suite a confirmé qu'on pouvait se poser cette question. Elle m'a valu une expulsion par des hommes en armes et elle m'a valu la reconnaissance d'un certain nombre de citoyens sénégalais qui ont donc décidé de me saisir pour cette procédure. C'est en leur nom que l'on agit aujourd'hui, en ayant parfaitement conscience qu'une grande partie des victimes dont il est question aujourd'hui sont en effet des membres de l'opposition et ont été ciblés parce qu'ils étaient membres de l'opposition et sont victimes d'une répression qui est avant tout politique. Mais nous le faisons aussi pour celles qui ne le sont pas, politisées, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont été victimes par ricochet, comme on dit, qui ont subi ces violences alors qu'elles n'avaient aucun rôle politique quelconque, mais aussi, plus généralement, pour la possibilité qui doit être offerte au peuple sénégalais de se déterminer lui-même. Ce que nous cherchons à éviter par tous moyens, c'est que la violence devienne un instrument du politique, que la violence permette, d'une façon ou d'une autre, de se perpétuer au pouvoir au détriment de la souveraineté populaire. Cette question des crimes contre l'humanité n'est pas une question qui est favorable à M. Sonko ou à un autre dirigeant politique. La seule conséquence de ces procédures, c'est une protection accrue du peuple sénégalais, y compris
de personnes qui sont d'opinion différente à celle du PASTEF et de M. Sonko. Et c'est pour ça qu'elle est particulièrement importante. Et c'est pour ça que, de façon générale, tout Sénégalais, y compris s'ils considèrent que M. Sall a été un président important pour quelles que soient les raisons, devrait se préoccuper de ce que nous sommes en train de montrer. Devrait demander à ce qu'il y soit mis fin. Parce que sinon, le risque est qu'un jour, il y soit confronté. Parce que sinon, le risque est que demain, un dirigeant politique utilise à son tour de ces violences pour faire taire la nouvelle opposition dans laquelle ils seront peut-être intégrés. Et à mon sens, il ne s'agit pas du tout d'un combat politique, mais d'une façon de rendre aux Sénégalais une part de leur souveraineté, en leur offrant les instruments qui sont les nôtres, qui nous ont permis, à travers mon parcours, à travers les moyens qui nous ont été donnés, du fait de la vie que j'ai eue, leur rendre de façon traduite en droit international pénal les instruments qui leur permettent de mettre fin à l'impunité, s'ils le souhaitent, et selon les modalités qui seront les leurs. Nous n'allons pas prendre la place du peuple sénégalais ou d'une quelconque juridiction. Mais par contre, avec cet instrument, qui encore une fois, d'où l'importance de le rendre public, les Sénégalais auront la possibilité d'avoir une base qui leur permettra d'une part de démontrer la réalité des crimes en question, d'établir les responsabilités, les commissions des... qui est responsable des crimes, et ça me permet de répondre au militant panafricaniste qui m'a saisi, et de décider, à partir de là, de la suite à donner, souverainement. Nous leur offrons cet instrument et nous leur laissons entre leurs mains, à eux maintenant, de jouer et de régler leur destin. Bonjour. Bonjour. J'avais juste une question à vous poser. Quelle est la part de subjectivité dans votre combat, en fait ? Parce que, vu l'engouement qui est derrière vous au Sénégal, n'avez-vous pas peur de décevoir ? On a joué notre rôle. On a essayé de le faire de façon sincère. On n'a pas de compte à régler à qui que ce soit. Moi, je considère que le régime sénégalais m'a fait un honneur en m'expulsant. Il soulignait l'importance qui était la mienne. Et il m'en accordait peut-être même trop. Et peut-être qu'il regrette aujourd'hui cette erreur, de la même façon qu'il regrette probablement l'erreur l'ayant amené à radier M. Sonko il y a quelques années. Mais c'est le propre des régimes qui peu à peu prennent la route de l'autoritarisme, c'est de commettre ces erreurs et de faire naître par eux-mêmes les alternatives à leur pouvoir. Nous n'avons pas d'intérêt particulier à cette affaire. Nous n'avons pas de récrimination particulière personnelle à leur adresser. Et nous avons essayé, en conséquence de quoi, de façon très froide, je pense que les membres de mon équipe pourront témoigner, sans émotion particulière, de traiter les informations qu'on recevait, de les qualifier juridiquement, de s'assurer qu'en effet, des crimes contre l'humanité avaient été bien commis, que le seuil de gravité avait été atteint, que les intérêts de la justice commandaient d'ouvrir une enquête, qu'il n'y avait pas de poursuite suffisamment sérieuse pour considérer qu'en effet, il était temps de saisir la CPI. Et à partir de là, nous avons simplement restitué ce travail. Nous considérons que le politique est souvent fait de violence, que c'est quelque part une donnée universelle, que l'on n'arrivera pas à éteindre. Nous espérons simplement, à notre mesure, essayer d'éviter qu'elle se généralise trop rapidement et tenter d'ouvrir une fenêtre par laquelle une situation plus apaisée pourra se développer au Sénégal. Je pense que les chancelleries occidentales, qui se montrent d'une complaisance assez merveilleuse à l'égard de Macky Sall, devraient concevoir les risques qu'il y aurait à laisser ce pays s'effondrer sur lui-même, eux qui sont si inquiets des questions migratoires, je leur pose la question suivante. Qu'en sera-t-il si un jour le Sénégal sombre dans la guerre civile du fait de l'usage systématique de violence par ce régime? Qu'en sera-t-il si un jour ce pays finit par se scinder et si à la violence actuelle du régime répliquait d'autres formes de violence? Qu'en sera-t-il si des pouvoirs frontaliers essayer de profiter de cette situation pour tenter de se saisir d'une partie des nouvelles ressources découvertes par le Sénégal? Ce sont des questions très sérieuses et je les invite à sortir du court terme qui consisterait à penser qu'il vaut mieux protéger et courir le régime actuel plutôt que d'essayer sincèrement de mettre fin à l'impunité
parce que on ne sait pas ce qui viendrait derrière, on ne sait pas quelles pourraient être les conséquences, et en réfléchissant à moyen terme, à se rendre compte de ce que la normalisation et la naturalisation de la violence au sein d'un territoire qui jusqu'ici avait été particulièrement remarquablement stable comme le Sénégal, pourrait impliquer comme conséquence sur l'ensemble de la sous-région et plus largement dans nos territoires. Bonjour maître, j'ai deux questions à vous poser. La première, quel est votre commentaire? Parce que d'après nos informations, les jeunes qui étaient dans la rue étaient recrutés par des responsables politiques. Quel est votre commentaire sur ces personnes qui ont recruté ces jeunes pour qu'ils descendent sur le terrain? Ma deuxième question, c'est de savoir votre commentaire sur le discours haineux et criminel des opposants comme Ousmane Sonko, Dethie Fall et autres personnes qui font la politique au Sénégal. C'est Mamadou Ndiaye, Binationaux. Merci. Je vous invite à nous transmettre tout élément de preuve qui aurait trait à ces allégations, qui pour l'instant me semblent plutôt participer de la stratégie d'offuscation des crimes contre l'humanité qui sont commis et donc d'une certaine façon vous en rendre complice. Membre de Yehui Askanoui, allié de Ousmane Sonko, je suis ici présente avec M. Cherti Dianium, qui est aussi membre de la conférence des leaders, et le président Boubacar Camara, qui est aussi membre de l'opposition sénégalaise, et l'honorable député Abbas Fall, ainsi que l'honorable député Alioune Kébé. Je tiens à faire ces précisions parce que nous sommes tous autant des présumées victimes prochaines de ce régime. Peut-être que c'est trop dire, mais nous risquons nos vies tous les jours parce que nous sommes des opposants politiques. Au Sénégal, maintenant, c'est devenu un délit. Dans Macky Sall, nous sommes menacés, persécutés. Nous les connaissons. Ils n'avaient que des pierres à la main. Nous avons appelé des tours dans la ville. Donc, nous aurions pu être sur ces images horribles que nous venons de voir. Ma question, au-delà des félicitations que nous vous faisons et que j'ai déjà entendues, ces félicitations, vous les méritez. Je sais que vous n'en avez pas besoin. Que le seul fait de se dire que quelque chose comme vous venez de le dire, ça donne du baume au de se battre. Et ça nous fait à la place de ces images. Là, j'ai deux. Est-il possible de une plainte à l'avance? Tôt ou tard, il y aura deux choses. Soit vous serez obligé de nous défendre en tant que victime en prison ou en tant que victime aussi décidé de faire, nous irons jusqu'au bout. Est-il possible de combattre ce régime? Et je suis sûre que c'est des millions. Que les grandes grands pays attendent. Est-il possible de leur mettre devant leur clic? Ils attendent quoi? Ils attendent, comme vous le dites, le président Macky Sall est sur le sol français. Est-il envoie des correspondants au Sénégal pendant les élections? Demander à la France de faire son rôle avant que l'irréparable ne se commette. Parce qu'on parle de troisième candidature, si le président Macky Sall fonce, il y aura des morts. Alors, est-il possible qu'il y ait un mécanisme juridique pour prévoir, faire des plaintes à l'avance au lieu d'attendre que nos jeunes frères ou que nos enfants meurent pour qu'après nous puissions faire des procédures qui peuvent durer dans le temps? Merci. Ça me permet de revenir sur un élément que je n'ai pas détaillé, qui est le travail que l'on a fait sur la persécution
non seulement des militants politiques, mais aussi des journalistes, des avocats, sur le terrain pour essayer d'empêcher qu'ils puissent protéger les personnes qui, du fait de leurs idées, s'engageaient et qui a amené à la mise sous mandat de dépôt d'individus ou à l'arrestation ponctuelle, y compris de grands organes de presse comme l'AFP internationaux, qui avaient été confrontés aux effets de bord naturels de toute utilisation de la violence politique. C'est-à-dire que je pense que le régime sénégalais, si vous demandiez à Macky Sall, n'avait évidemment pas l'intention de cibler l'AFP, parce qu'ils savent les conséquences que ça aurait. Mais lorsque vous autorisez une forme de violence se déployer sur un territoire, bah, ça finit par toucher, vous ne pouvez pas tout contrôler, en fait. Et parfois, il y a des débordements. Donc ça, c'est les effets de bord. Et après, il y a des effets ciblés. Par exemple, en ce qui concerne le conseiller technique du ministre de l'Intérieur, son existence avait été révélée par un militant qui s'appelle Hannibal Jim, qui est un blogueur, et qui avait révélé l'existence et la présence d'un coopérant au sein d'un régime qui utilisait la violence à des fins politiques. Eh bien, cet homme, par hasard ou non, est depuis le mois de février dernier sous mandat de dépôt. Il est détenu. Est-ce parce qu'il a exposé des faits qui ont été très rapidement nettoyés sur les réseaux sociaux, sur Internet, qui montraient l'existence de ce conseiller technique numéro 6, M. Belebad? Est-ce que la France a une responsabilité, par exemple, dans ce sort-là? Ce sont des questions qu'il m'apparaît très important de traiter, parce qu'on voit encore une fois une absence de distanciation complète de la France et en général des puissances étrangères à l'égard du régime actuel, malgré les violences qu'ils ont commises. Et il y a quelque chose là qui, en effet, pose question, mais qui ne se réglera pas judiciairement parlant. Je pense qu'une partie de l'Afrique a pris le chemin de la souverainisation, d'une nouvelle phase de la décolonisation, et qu'en faisant cela, elle est en train de se doter, peuple après peuple, d'instruments qui lui permettront de se protéger des ingérences étrangères, de protéger son peuple et d'agir par conséquent. Votre protection, il ne m'appartient pas de me dire laquelle sera la meilleure. Il ne m'appartient pas de dire quel chemin doit prendre tel ou tel individu sénégalais pour amener à ce changement et amener à la fin de l'impunité. Il m'appartient, moi, simplement, à partir des éléments que je reçois, de qualifier ou de disqualifier ceci, de le considérer comme constitutif ou non d'un crime, évidemment seulement déjà commis, parce que la politique pénale ne peut pas être prédictive. Et à partir de là, essayer de faire des points d'étape qui, on espère, produiront des effets et empêcheront que d'autres violences se commettent à l'avenir sans m'immiscer au-delà et sans peser sur, encore une fois, le destin souverain de cette population qui n'a pas besoin de moi, qui n'a pas besoin de quiconque d'autre que d'elle-même, mais qui, évidemment, dans un rapport de force comme celui qui est en place aujourd'hui, doit essayer de faire contrepoids aux influences étrangères qui cherchent par tous moyens à soutenir le régime actuel. C'est notre rôle de faire contrepoids, d'équilibrer la situation, sans essayer de nous attribuer un rôle supplémentaire, toujours en suivant les instructions de nos clients, que ce soit dans cette affaire les victimes directes, que ce soit dans d'autres, des personnes qui nous ont désignés, et en restant à notre place humblement, mais fermement aussi, par rapport aux actions que nous avons recensées et constatées. On va peut-être prendre deux dernières questions, et si cela vous convient. Bonjour, bonjour maître. C'est ici à moi. C'est cher Ahmed Tidjandjou, comme Meymouna, nous sommes venus de Dakar pour assister à cette conférence de presse. Je suis le secrétaire général du Parti l'Unité du Rassemblement, membre de la coalition IUAS Kanoui. Au nom de la coalition IUAS Kanoui, nous vous disons merci et félicitations pour le travail que vous avez abattu. Et nous vous encourageons, d'autant plus que nous savons très bien la pression que vous subissez du fait du travail extrêmement important que vous abattez. Je ne vous ai pas entendu durant votre exposé faire référence à ce qui est en train de ce que subit actuellement le président Ousmane Sonko, la séquestration, le fait qu'il soit empêché de sortir de chez lui, qui effectivement, au terme du statut de l'article 7 du statut de Rome, est un crime contre l'humanité. D'autant plus que la coalition IUAS Kanoui a demandé à tous les Sénégalais de se rendre le 25 pour lever ce blocus qui est illégal, qui n'est basé sur aucune instruction, sur aucune ordonnance. Au-delà de ne pas en avoir fait part dans votre exposé, que conseillez-vous aux forces de l'ordre qui, aujourd'hui, considèrent qu'ils exécutent simplement des décisions que leurs supérieurs leur demandent de faire. Le,
lorsqu'un ordre est manifestement illégal, tout à fait. Il n'y a pas de possibilité de prendre prétexte de l'existence de cet ordre pour échapper à sa responsabilité. C'est pour ça que nous sommes allés très très bas dans la chaîne de responsabilité. Nous avons même des exécutants simples qui ne sont pas gradés au sein des forces de l'ordre, car nous considérons qu'ils sont, en tant qu'exécutants de ces ordres, des responsables de crimes contre l'humanité. Nous avons fait un message sur les personnes qui participaient à la détention arbitraire de M. Sonko aujourd'hui, aux forces de l'ordre qui sont impliquées. Nous avons indiqué qu'ils étaient en train de commettre un crime, avant tout en droit sénégalais, parce qu'il n'y a aucune décision de justice aujourd'hui concernant l'arrestation de M. Sonko, parce qu'il n'y a aucun mandat de magistrat qui justifie la détention qu'il subit. Donc, avant même d'en arriver à une responsabilité pénale internationale, ils encourent déjà des peines qui vont jusqu'à, dans mon souvenir, 20 ans de travaux forcés, selon le code pénal sénégalais. Ces individus, ils sont identifiés. Nous savons exactement qui, aujourd'hui, participe à cette détention arbitraire. Nous savons quelles sont les compagnies, les brigades. Nous savons quels sont les individus qui, normalement, sont à Thiès, ceux qui viennent de Dakar, les bérets rouges, les bérets... Nous les avons tous identifiés, la chaîne de commandement aussi. Et il leur appartient de prendre leurs responsabilités dans un cadre dont l'on comprend qu'il soit contraint, on comprend qu'il soit difficile dans un pays comme le Sénégal aujourd'hui de désobéir à des ordres. Mais nous leur avons rappelé, d'une part, que c'était leur obligation, que d'autre part, des actes comme celui qui consiste à gazer des avocats qui viennent voir leurs clients sont constitutifs de crimes. Et enfin, qu'ils doivent, je leur conseille, de demander d'une part des ordres écrits sur ce qu'ils font, et d'autre part, mettre par écrit leur opposition à ces ordres. Que des justifications consistant le fait qu'oralement ils se seraient opposés ne suffiront pas. Et ce que nous voyons, c'est que pour l'instant, ils sont un peu trop tranquilles. Et que donc, a priori, il n'y a même pas d'inquiétude particulière à ce stade encore quant au fait que ce qu'ils sont en train de commettre consiste en un des crimes quand même les plus importants dans un système de droit, qui consiste à, en dehors de tout cadre judiciaire, alors que vous êtes doté d'un mandat légal, utiliser vos attributs en tant que force de l'ordre pour commettre des illégalités et détourner vos instruments. Et ça, c'est quelque chose qui devrait particulièrement préoccuper les Sénégalais, parce que lorsque vous avez des forces de l'ordre qui ne respectent pas l'ordre qui est adopté par le représentant du peuple, donc par la souveraineté nationale, la loi, eh bien, il y a de quoi s'inquiéter sur son destin personnel. Et encore une fois, quelle que soit votre destination politique et vos idées politiques, il y a là, à mon sens, un problème fondamental. Donc évidemment, la situation de M. Sonko participe pleinement à ce que nous dénonçons pour une raison très simple, le ciblage politique d'une grande partie de ces violences, dont il est une victime, dont ses cadres dirigeants de son parti sont victimes, et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucun acte de leur part justifiant l'usage de la violence, justifiant la répression dont ils sont objets, est inacceptable et évidemment constitutif de la situation actuelle. Bonjour, Ibrahim Lignay. Elle est, ne serait-ce que parce que justement, en fait, elle signe le fait que ces violences sont commises à des fins politiques. Et c'est là où, c'est-à-dire qu'on est sur un usage de la violence qui n'est pas débridé ou qui n'est pas le fait d'un manque de formation des forces de l'ordre ou qui n'est pas fait du fait d'un... Au contraire, c'est-à-dire qu'il y a une violence qui est dirigée politiquement. Et donc, il faut bien distinguer notre opinion politique, notre appréciation ou non du programme politique d'Ousmane Sonko, de la coalition, de qui que ce soit, et le fait que pour le combattre, pour l'empêcher d'être entendu et reconnu par des suffrages, qu'il gagne ou qu'il perde, il y a un usage de violence qui constitue, en fait, le crime contre l'humanité. Parce que l'attaque contre une population civile, générale ou systématique, en l'occurrence c'est les deux, elle repose sur le fait que cette population civile soit ciblée, et l'un des critères de ciblage peut-être l'opinion politique. En fait, et donc le fait, contrairement à ce que l'on pourrait penser, c'est un facteur aggravant, c'est un facteur constitutif du crime contre l'humanité, le fait que ce soit justement un groupement politique identifié qui soit au premier titre ciblé. Encore plus quand c'est un groupement politique qui, contrairement à ce qui a été affirmé, a priori en tout cas jusqu'ici, n'ordonne pas de violence et depuis des années, au contraire, les subit sans avoir provoqué en retour. Parce que je pense que c'est un argument peut-être plus spéculatif, mais qui est important. Après ces années d'existence, si la coalition, si M. Sonko avait souhaité obtenir des armements, opérer une déstabilisation réelle et profonde du pays, s'allier avec la Russie, la Chine, on ne sait quelle autre puissance pour faire rentrer des moyens de provoquer une subversion au sein de ce territoire, il l'aurait fait.
on est sur une situation, c'est là où c'est l'avantage de la situation, où la durée nous permet d'établir, de clarifier. Vous voyez, quand en mars 2021, M. Diom parlait de forces occultes, pourquoi pas? Le ministre de l'Intérieur d'un pays souverain vous dit qu'il y a des personnes infiltrées qui commettent des violences, etc. Le doute pouvait exister et on attendait que dans les jours, les semaines, les mois qui viennent, qui suivent, grâce aux forces d'enquête, des magistrats, etc., des éléments tangibles permettent de démontrer ces propos et à partir de là, de dire, bah oui, peut-être qu'en effet, ça vient d'une politique déstabilisée, etc. La réalité, c'est que depuis mars 2021 et les allégations qui ont été entendues tout à l'heure, il n'y a aucune preuve qui a été apportée de celle-ci. Je ne vous demande pas d'apporter 700 preuves comme on l'a fait, et 4500 qui sont plus des éléments, des indices, etc. Mais au moins, essayer d'établir quelque chose. Et quand ça a été établi, tentativement, lors de cette conférence de presse d'Ibrahima Diop, il y a quelques semaines, on s'est rendu compte que les éléments qui étaient présentés par le gouvernement correspondaient en fait non pas à des manifestants infiltrés, non pas à des Guinéens, parce que ça aussi, la xénophobie qui consiste à expulser 90 ressortissants guinéens parce qu'il est facile de les expulser pour essayer de leur attribuer la responsabilité de la situation, alors que, contrairement à ce qui a été affirmé, ils ne sont évidemment en rien responsables, ils n'étaient pas présents lors des manifestations, et qu'en réalité, les personnes que l'on montre sont des collaborateurs réguliers des forces de police et que l'on retrouve ensuite des dizaines de vidéos où on les voit récupérer des armes de la main des policiers directement, rentrer dans des pick-up de police et agir de concert avec eux, et que donc l'infiltré supposé était en effet un infiltré, mais un nervi du gouvernement, eh bien, on se rend compte que ces campagnes de propagande et de désinformation ne tiennent pas. Et nous, ce que l'on a essayé absolument d'éviter, ce que je pense qu'on a réussi à éviter, c'est de rentrer dans ces jeux-là. C'est-à-dire qu'en ayant une rigueur absolue sur la sélection des éléments, en s'assurant qu'ils soient vérifiés une fois, deux fois, trois fois, s'assurer vraiment qu'ils se soient incontestables et que justement, on puisse revenir dans un an, dans deux ans, dans trois ans, sur les affirmations que l'on a faites, et à l'exact opposé des affirmations de M. Diom, se rendre compte que nous étions des hommes intègres, pour reprendre la terminologie utilisée par une grande figure politique du continent, et que les propos que nous avions tenus étaient non seulement véridiques, mais vérifiés dès le moment où ils ont été tenus et que nous n'avons pas porté des accusations en l'air ou gratuitement. Bonjour, donc, Ibrahima Ika News. Je vais rejoindre Mme Bousso par rapport aux inquiétudes qu'elle a pour le troisième mandat, le forcing. Et pour cela, permettez-moi de faire un parallélisme. Pour moi, le président Macky Sall, c'est comme un automobiliste qui est conscient du danger de l'alcool et qui prend un véhicule et qui fait des dégâts considérables sur les humains. Il a lui-même, dans des vidéos que tout le monde peut retrouver, dire que le troisième mandat est un danger, ça amène des tensions, beaucoup de personnes y perdent leur vie. Donc là, il lance le Sénégal dans cette route. Est-ce que demain, les conséquences, pour moi, il y aura des conséquences humaines, des pertes humaines sur ce troisième mandat? Est-ce que cela va, le fait qu'il est conscient lui-même de se lancer sur cette voie, si demain, personne ne le souhaite, il y a des pertes humaines, est-ce que cela, pour vous, il y aura, en tout cas, du point de vue de la justice, une considération différente, en tout cas, une considération qui peut appuyer l'acte que vous menez là déjà à la CPI? Bien sûr que ce sera un facteur aggravant. Une fois que sont qualifiés les actes que vous commettez, une fois que sont établies les responsabilités, si la commission continue et s'aggrave, de la même façon qu'il est déterminant pour cette démarche, et nous n'aurions pas pu la mener si les violences avaient commencé seulement, entre guillemets, en mars 2023. L'existence des épisodes précédents, de mars 2021, a permis de démontrer non seulement la conscience, mais l'absence de nature incidente de ces violences en mars 2021, et au contraire, l'usage déterminé et réfléchi de cette violence à des fins politiques. La cohérence des pratiques, c'est un élément très important dans la caractérisation d'un crime contre l'humanité, la répétition. La répétition et l'utilisation d'un schéma, un schéma qui reproduit les mêmes dispositions de violence. Et on a vu les mêmes actes ou des actes très similaires se reproduire entre mars 2021 et aujourd'hui. Et c'est cela qui nous permet de fonder aujourd'hui, au-delà de la gravité des crimes en eux-mêmes, cette plainte et cette procédure pour crime contre l'humanité. S'il n'y avait eu qu'un épisode, cela aurait été compliqué. Cela aurait suffi à ouvrir un examen préliminaire, mais il aurait été compliqué d'aller au-delà et d'établir justement cet usage-là. Aujourd'hui, nous avons suffisamment d'éléments sur une durée suffisamment longue pour pouvoir, en confiance, saisir ces institutions. Je voulais vous remercier de votre présence, m'excuser de devoir abréger cet échange et vous dire qu'il n'y a pas de questions ou d'événements supplémentaires et vous souhaitez... A dotu ñu nangu ken jaay nu rew mi bañ na de
Réo mi bagna dedet dotu ñu fi nangu bu mu jam Réo mi bagna dotu ñu nangu kenno ñu Réo mi bagna Réo mi bagna dedet dotu ñu fi nangu bu mu jam